Bon après-midi tout le monde. Good afternoon. Je suis Stephen Toop, président de la Fédération des sciences humaines. Je suis heureux de vous accueillir pour la conférence Voir grand d'aujourd'hui. I'm pleased to welcome you all here this afternoon for today's Big Thinking lecture. La semaine a bien démarré ici à Ottawa et nous sommes reconnaissants envers notre hôte, l'Université d'Ottawa, pour sa formidable hospitalité. I'd like to remind you all before we start that today's presentation will be, of course, in French. Simultaneous interpretation is available and headsets are available in the hall just outside the room. Je remercie le Conseil de recherche en sciences humaines, la Fondation canadienne pour l'innovation et l'Université Canada pour leur parrainage de la série Causerie Voir Grand. La série de Causerie Voir Grand donne à tous les congressistes la chance de participer à des discussions abordant les questions cruciales de notre époque. Aujourd'hui ne fait pas exception. Nous sommes ravis d'accueillir Monique Proulx, qui saura sans aucun doute stimuler nos esprits, nos disciplines et nos institutions dans le cadre de son allocution sur le territoire intérieur de Montréal. J'ai le plaisir maintenant d'inviter Mme Lucie Ott, chaire de recherche sur les cultures et les littératures francophones du Canada, à présenter Monique Proulx. Bonjour. Monique Proulx est née à Québec, mais vit depuis une trentaine d'années à Montréal. Romancière, nouvelliste et scénariste, elle a obtenu un baccalauréat en littérature et en théâtre de l'Université Laval. Monique Proulx pratique des genres très variés. Elle a publié de très nombreuses nouvelles parues dans différentes revues et recueils, plusieurs dramatiques de 60 minutes diffusées à l'antenne Radio-Canada, dont certaines dans le cadre de l'émission télévisée Les Beaux Dimanches. Elle a également écrit deux pièces de théâtre, ainsi que plusieurs scénarios, dont celui de son propre roman, Le sexe des étoiles, qui a été porté à l'écran par la réalisatrice Paul Baillargeon. Ce film a par ailleurs remporté plusieurs prix et a été dans la course des Oscars en 1994 dans la catégorie du meilleur film de langue étrangère. Enfin, elle est l'auteur de deux recueils de nouvelles et de cinq romans, traduits en anglais pour la plupart chez Douglas & McIntyre. L'œuvre de Monique Proulx, une des plus importantes de la littérature québécoise contemporaine, a connu une réception critique très élogieuse dès la parution de son premier recueil de nouvelles, Sans cœur et sans reproche, qui a obtenu le prix Adrienne Choquette, le prix littéraire Desjardins, ainsi que le grand prix du Journal de Montréal. Madame Proulx a aussi reçu pour son roman Homme invisible à la fenêtre le prix Québec-Paris, le signe d'or de Plaisir de lire, une émission qui était à la chaîne Télé-Québec, le prix des libraires du Québec et le prix littéraire Desjardins. Au 12e concours d'œuvres dramatiques radiophoniques de Radio-Canada, elle a gagné le 2e prix pour son texte Deux par deux. Dans ses nouvelles et ses romans, Monique Proulx met en scène des personnages, souvent des marginaux, à la recherche du bonheur. En quête d'amour et de sérénité, ils n'hésitent pas à se transformer pour échapper à leurs conditions. Dans sa critique de Champagne, l'avant-dernier ouvrage de l'auteur, Daviel Lazur-Viera trouve les mots justes pour expliquer ce qui caractérise l'écriture de Monique Proulx. Je cite, « L'œuvre entière de Monique Proulx semble empreinte de cette beauté fragile et délicate dont elle réussit brillamment à tracer les contours. » Ce ne sont plus uniquement la forêt et le lac qui sont sublimés par son écriture, ce sont aussi ces êtres humains qui y vivent, tant les personnages de Champagne que tous ceux qui traversent ses romans et nouvelles. Des êtres à la dérive, immortalisés par la plume foisonnante d'une écrivaine à la parole rare, mais combien précieuse. Parole rare, certes, car Monique Proulx peaufine ses ouvrages pendant 6, 7, voire 8 ans, avant leur parution, mais paroles riches, car empreintes de compassion pour les malheureux, les laissés pour compte et tous ceux qui ne rentrent pas dans le moule prescrit par la société. Paroles riches aussi par sa beauté d'expression, son style limpide, son rythme quasi poétique. Nous avons la chance, puisque un tout nouveau roman vient de paraître. Avec ce livre intitulé « Ce qu'il reste de moi »,
Monique Proulx retourne à la description de la vie urbaine à Montréal, qui était au cœur de plusieurs de ses livres précédents, dont le recueil de nouvelles « Les aurores Montréal ». Par le biais d'une galerie de personnages très diversifiés qui se croisent dans la ville, Monique Proulx explore à la fois l'histoire de la fondation de Montréal et sa réalité actuelle. Elle nous parlera d'ailleurs aujourd'hui du territoire intérieur de la métropole. Il me fait très plaisir de vous inviter à accueillir chaleureusement Mme Monique Proulx. Bonjour. Bon, que je place le micro pour l'oublier complètement. Je vais donc vous parler, à vrai dire, j'ai pensé que ce serait peut-être intéressant pour vous d'entendre parler de ce voyage auquel les écrivains, dans lequel les écrivains s'engagent lorsqu'ils s'engagent dans un livre, parce que ce livre-là, dont il sera question, qui est « Ce qu'il reste de moi », m'a vraiment emmenée dans un territoire que je ne croyais pas accessible, à vrai dire. Et j'avais envie de vous faire partager un peu la richesse de ces pérégrinations-là. Mon texte s'appelle « Extrêmement vaste et incroyablement près ». Vous saurez sans doute pourquoi à la fin de mon allocution. C'est en même temps un clin d'œil à l'auteur Jonathan Safran Foer, un New-Yorkais qui a écrit « Extremely Big and Incredibly Close » il y a plusieurs années sur un sujet tout à fait différent, mais j'adore les titres et ce titre-là me semblait convenir tout à fait à ce dont je vais vous parler. Je reviens de loin. On croit qu'écrire est une activité peinarde qui se passe devant un ordinateur ou une page blanche, le fessier bien engoncé dans un fauteuil. Le livre que je viens d'écrire m'a demandé d'explorer monts et vaux, de descendre au fin fond de cratères brûlants et d'escalader des pics vertigineux, de traverser le temps à petits pas de fourmi et de le survoler aussi à hauteur d'aigle. Moi qui suis si peu sportive. Le livre que je viens d'écrire a surtout ouvert en moi une brèche qui ne se referme pas. Tout a commencé par une statue. On ne les regarde plus, les statues de nos quartiers. Elles ne sont visitées que par les pigeons et les yeux survoltés des touristes, parfois par les auteurs de graffitis. Ce jour-là, peut-être me sentais-je l'âme d'une touriste ou d'un pigeon. Je marchais rue des Pins, à Montréal, en route pour quelques destinations professionnelles, quand mes yeux se sont arrêtés sur la statue de Jeanne Mance devant l'Hôtel Dieu. La tête inclinée, elle soutient un homme blessé, pétri de la compassion qu'on attend, bien entendu, d'une bonne sœur. Une bonne sœur? Je me suis immobilisée pour mieux y voir. Pourquoi ai-je toujours cru que Jeanne Mance était une bonne sœur, une religieuse condamnée par son choix de carrière ou celui de son père à une vie de sacrifice? La statue le disait là, noir sur blanc, le noir de la pierre sur le blanc de la neige, car c'était l'hiver. Jeanne Mance, dans sa robe simple et son bonnet de femme du peuple, est une laïque. Une laïque, c'est-à-dire une femme forcée par rien ni personne, une laïque libre, sans clergé ni mari. Mais alors pourquoi? Pourquoi une Française laïque et libre, une fille seule en plein 17e siècle, bon sang, voudrait s'établir dans une jungle glaciale à l'autre bout du monde, peuplée de créatures inconnues et terrifiantes et dépourvues de tout avenir confortable? Cette question est un gouffre. Cette question a déclenché l'expédition, la mienne. Moi qui habite depuis des décennies tout près de la rue Jeanne Mance, qui me balade entre deux écritures dans le parc Jeanne Mance, qui fréquente, quand je m'y vois contrainte, l'Hôtel Dieu fondé par Jeanne Mance, je ne savais rien d'essentiel à propos de Jeanne Mance et des débuts incroyables de Montréal. Je me suis d'abord tournée vers les livres. Je me suis retrouvée en France,
au début du 17e siècle. Et la France de ce temps-là brûle. Elle brûle d'amour et de mysticisme. Elle brûle pour Dieu, un Dieu exigeant, le Dieu idéal des chrétiens primitifs. La France de ce temps-là est balayée au complet par le grand souffle viral de Dieu. Beaucoup de nobles abandonnent leurs biens pour se retirer au cloître. Les laïcs s'impliquent dans les œuvres saintes avec autant d'acharnement que les ecclésiastiques. Les fortunés essaiment leur fortune pour la sanctifier plutôt que la blanchir. François de Sales enseigne l'apostolat et la désappropriation de soi-même. Vincent de Paul célèbre les démunis. Rien n'est plus exalté que la pauvreté et la souffrance. Et surtout, on vient de trouver une cause, la grande cause idéale susceptible d'étancher la soif d'absolu, de galvaniser le feu de l'apostolat, la Nouvelle-France. On sait de plus en plus, grâce à des lettres qu'on s'arrache de main en main dans les salons parisiens, qu'il existe un territoire inouï au-delà de la mer, peuplé d'êtres primitifs qui sont privés de tout, de pauvres créatures, comme les décrivent dans ces lettres vibrantes les jésuites fourvoyés là-bas, sans Dieu, sans loi, sans roi, sans domicile et sans terre même, puisqu'ils n'ont ni l'expérience ni le pouvoir de la cultiver, sans usage des douceurs de la vie, puisque sans meubles, sans lit, sans linge, ni pain, ni sel, ni vin, sans repos, puisque perpétuellement agité en quête de nourriture, sans art, sans lettres, ni métier, ni police. Cela vient des relations des jésuites. La France s'émeut aux larmes. Parmi eux, Jérôme le Royer de la Dauversière, un noble fortuné, s'en trouve si exalté qu'il est visité par des visions extraordinaires. Il voit une cité idéale, différente de tous les postes de Nouvelle-France déjà fondés. Une communauté fraternelle franco-indienne sous le patronage de la Vierge. Il voit une cité révolutionnaire au cœur de l'île de Montréal. Une cité sainte qui parviendrait à s'extraire du temporel pour se consacrer complètement au divin. Il parvient à rameuter des fortunes et des esprits démesurés autour de cette vision de rêve. Des êtres passionnés eux aussi par l'avènement de l'absolu. C'est ainsi que voit le jour la Société Notre-Dame de Montréal, de son nom véritable, les messieurs et dames de la Société Notre-Dame de Montréal pour la conversion des sauvages de la Nouvelle-France. Parmi eux, Gaston de Renty, qui laissera un livre édifiant sur la spiritualité dont s'inspirera plus tard Blaise Pascal, Jean-Jacques Ollier, qui fondera l'ordre laïque des Sulpiciens et laissera des témoignages de miracles après sa mort, Angélique Dufort de Bullion, veuve d'un surintendant des finances exécré, qui se rachètera en finançant en secret, bienfaitrice anonyme, Ville-Marie et son Hôtel-Dieu. Et Paul de Chaumodé, simple militaire, et Jeanne Mance, simple infirmière. Tous deux de Champagne, tous deux montrant des dispositions de cœur étonnantes pour leur jeune âge, engagés pour concrétiser là-bas, au sein de la sauvagerie informe, la cité idéale. Une parenthèse brève s'impose ici. Sur ce terme de sauvage, qui nous semble aujourd'hui ô combien incongru et injurieux, et sur toute l'entreprise elle-même, soucieuse d'évangéliser des peuples qui n'en demandaient pas tant, il y aurait beaucoup à dire. Mais je n'en dirai rien ici. Que l'on me permette d'affirmer quand même la pureté et la noblesse des intentions de ces civilisés d'alors, qui s'oublient eux-mêmes pour servir la vérité unique dont ils se croient dépositaires, et qui tenteront de convaincre par l'amitié, la douceur et par l'exemple, jamais, au grand jamais, par la violence. Donc, en 1642, après une halte obligée à Québec en raison de l'hiver, Jeanne Mance et Maisonneuve s'installent avec une quarantaine de colons sur une pointe de l'île de Montréal entre le Grand Fleuve et la petite rivière Saint-Pierre. En quoi cette installation
se démarquera-t-elle des postes déjà existants, ceux de Québec, justement, de Trois-Rivières, de Port-Royal, de Tadoussac? La folle entreprise, ainsi nommée en dérision par le gouverneur de Québec hostile à son avènement, hostile comme tous les gouverneurs de Québec qui suivront, la folle entreprise de l'île de Montréal n'est pas un poste de traite de fourrure. Pour les associés fondateurs et pour ces premiers colons de la folle entreprise, il n'est pas question de faire de l'argent. Pendant près de 20 ans, Ville-Marie sera une sorte de monastère expérimental, rigoureusement sans but lucratif, où l'on prône l'harmonie, la dévotion, le partage, l'amour du prochain, où l'alcool, le blasphème, les égarements sont interdits, où l'on est par conséquent toujours menacé par la faillite, toujours secouru en dernière instance par les associés nobles demeurés en France, ceux qui sont encore vivants ou qui ont encore de la fortune, ceux chez qui la ferveur mystique et l'utopie de l'absolu ne faiblissent pas. On sait beaucoup de choses au sujet de Maisonneuve. Militaire au cœur noble, intègre et intrépide, généreux et entreprenant, et même joueur de lutte, et considéré pendant des années comme le seul fondateur de Montréal. Mais Jeanne Mance, on peut le dire aujourd'hui à voix haute, Jeanne Mance est l'âme de Ville-Marie. C'est elle, au tout début, qui incite M. de la Dauversière à rédiger les véritables motifs, ce pamphlet fondateur qui convaincra les fortunés et les nobles de France de se joindre à l'entreprise balbutiante. C'est elle qui, sans relâche, les relance et les séduit, ces fortunés souvent oublieux. C'est elle qui parvient toujours à joindre les deux bouts au prix de ressources inouïes et d'initiatives désespérées. C'est elle qui fait office de contremaître auprès des hommes de Maisonneuve avec son accord tacite. C'est elle, bien sûr, qui soigne les blessés, qui invente comment panser les premiers scalpés, sans se douter qu'il y en aura bien d'autres dans les années qui viennent. C'est elle qui sauve carrément la colonie en 1652, au moment où Paul de Maisonneuve veut l'abandonner, car c'est elle qui a l'idée de détourner une somme de 22 000 livres destinée à l'Hôtel-Dieu pour lever une armée de 100 hommes qui leur permettra de résister aux attaques iroquoises incessantes. C'est aussi elle qui en paiera le prix. Mais ne nous égarons pas. C'est elle qui s'est parlé avec une telle éloquence de l'œuvre sacrée de Ville-Marie qu'elle est écoutée en France comme le Saint-Évangile, selon la première historienne Marie Morin, qu'elle est perçue comme l'une des plus grandes âmes qui vivent par Marie Rousseau, la mystique célèbre de Paris, qu'elle est décrite dans les mémoires du grand Jean-Jacques Ollier comme pleine de la lumière de Dieu dont elle se trouve environnée comme un soleil. C'est elle qui verra son bras condamné par les médecins, miraculeusement guéri par la dépouille du même Jean-Jacques Ollier. C'est elle, enfin, qui restera à Ville-Marie jusqu'à sa mort, tandis que Maisonneuve, bien malgré lui, finira ses jours à Paris. C'est d'elle qu'on prélèvera le cœur, parce que morte en odeur de sainteté, et c'est son cœur qui sera placé dans une chapelle publique pour que, selon ses dernières volontés, il continue de soutenir et de galvaniser celui de ses bien-aimés montréalistes. Voilà bien des réalisations stupéfiantes pour quelqu'un qui n'a pas officiellement participé à la Fondation de Montréal. Mais l'histoire n'en est pas à ses premières ingratitudes. On ne sait plus, si on ne l'a jamais su, que Maisonneuve a été à la fin vulgairement congédiée et chassée de Nouvelle-France, après 20 ans de dévouement total, ni que Jeanne Mance a été accusée de fraude et harcelée jusqu'à sa mort. Ces deux ignominies étant le fait d'un seul homme, celui-là même que l'Église catholique vient de canoniser, Monseigneur de Montmorency Laval. Fermons la parenthèse, même si l'indignation en fait un peu grincer les pentures. Et revenons à cette expédition mienne qui vient de me faire traverser des milliers de pages d'historiens anciens et modernes sur les débuts de Montréal et qui me laisse sur les récifs de mon bureau
lestée de piles de notes édifiantes et d'impressions fortes. Pendant des mois, je n'écris rien. Je ne sais comment intégrer ces informations neuves à propos d'un passé déjà lointain. Je ne sais où glisser Jeanne Mance dans mon univers fictif. Les romans historiques ne sont pas ma tasse de thé. Ce qui me passionne depuis toujours, c'est voir ce qui apparaît sur l'écran de ce temps, de ce moment même, et d'en témoigner. Pendant des mois, je n'écris rien, mais je commence à observer différemment Montréal. Ou plutôt, c'est Montréal moderne, ce kaléidoscope de couleurs contradictoires qui se dépouille de ses ornements et me livre peu à peu sa vérité brute. Montréal vit toujours dans le prolongement de ses débuts brûlants. Voilà sa vérité brute. Et voilà dévoilé le sujet de mon roman à venir, la destination de mon voyage. Débusquer, ici et maintenant, cette grandeur des origines, partout où elle se manifeste encore. Car c'est évident, le cœur de Jeanne Mance continue de battre sous les artères de Montréal, enfoui comme un gisement mystique, nous contaminant et nous embrasant. Il continue de titiller notre soif de beauté, notre nostalgie pour l'absolu. Jeanne Mance n'a-t-elle pas, en mourant, pris la peine de léguer expressément son cœur invincible aux montréalistes de tous les temps? Bien sûr, il y a eu l'incendie de la chapelle de l'Hôtel-Dieu en 1689 qui aurait tout décimé, y compris la boîte de plomb contenant la précieuse relique. Mais quelque chose en moi décide que le cœur de Jeanne Mance n'a pas pu brûler et disparaître comme un vulgaire combustible. Quelque chose en moi de têtu soutient qu'enfoui quelque part incognito, il continue de libérer ses atomes dans le territoire intérieur de Montréal. D'ailleurs, mon postulat, en apparence farfelu, reçoit un appui inespéré. J'apprends que chez les actuelles hospitalières de Saint-Joseph, la communauté d'infirmières importée ici par Jeanne Mance et fondée par Jérôme Leroyer de la Dauversière lui-même, on croit bel et bien que le cœur de Jeanne Mance a été déplacé de la chapelle à une église plus importante avant l'incendie, et on travaille activement à le retrouver. Je me mets à arpenter la ville, le regard scrutateur et ouvert, sans trop savoir ce que je cherche. Ces déambulations qui me ramènent fatalement chez moi, dans le Mile End, limitrophe à Outremont, me font aussi croiser sans cesse des hassidimes, que je fuis du regard depuis toujours, puisque eux-mêmes m'ignorent sciemment depuis toujours. Les hassidimes, mes voisins mystérieux, si religieux, si fermés sur eux-mêmes, si visibles quand on décide de les voir, soudain, je les vois. Et soudain, c'est l'évidence même. Les hassidimes, qui ont délibérément choisi d'installer leur communauté prolifique ici et pas ailleurs, les hassidimes sont reliés bien évidemment à Jeanne Mance. C'est le gisement mystique enfoui sous le sol qui les a attirés. C'est la soif d'absolu imprégnée dans le territoire qui les embrase. Les hassidimes sont des personnages incontournables de ce livre à venir. Je ne connais rien d'essentiel à propos des hassidimes. Je pars donc encore en voyage, à quelques pas de chez moi, au fond des millénaires et des traditions ultra-orthodoxes. Non seulement me faut-il explorer l'essence du judaïsme, son histoire, ses croyances, ses prophètes, ses fêtes, ses 613 mitzvot ou commandements, ses grandeurs, ses intolérances, mais il me faut surtout apprendre de l'intérieur ce que signifie être un juif ultra-orthodoxe au 21e siècle, au beau milieu de la barbarie nord-américaine et de la laïcité montréalaise. J'écoute, je questionne, je fais des rencontres, je vois des films, j'entends des témoignages, j'observe, je lis, je médite. Cela dure des mois. Cela me laisse finalement dans un état de respect effrayé, tant l'engagement hassidique est vertigineux et complexe. Et cela me laisse avec deux personnages,
intense et intègre. L'un, un jeune homme, s'enfuit de la communauté hassidique pour chercher la joie dans une vie dite normale, et l'autre, sa mère, demeure dans la communauté hassidique pour la joie de sacraliser justement la vie dite normale. Mais je viens sans le vouloir d'ouvrir grand ma porte et mon roman aux religions et aux religieux. Le cœur de Jeanne Mance, s'il bat pour les hassidimes, bat certainement au moins autant pour ceux de sa propre Église, les chrétiens fervents du Montréal d'aujourd'hui. Et s'il bat pour les chrétiens et les juifs, il est hors de question qu'il ne batte pas aussi pour les musulmans authentiques. Me voici lâchée dans le Grand Montréal à la poursuite de signes et de modèles d'embrasement au sein des deux autres grandes religions théistes. Me voici, autrement dit, dans Dieu jusqu'au cou. Dieu, ce mot dangereux, intempestif, source d'irritation et d'obscurantisme. Précisément à une époque où la laïcité est quasiment obligatoire à Montréal, où elle se brandit presque comme un acte de naissance. Je me fais discrète quand on me demande quels sont mes projets d'écriture. Mais je ris sous cap. Il y a une joie indicible dans le fait de naviguer à contre-courant. Et ils naviguent forcément aussi à contre-courant, les fervents de Dieu à Montréal. Je ne parle surtout pas ici des intégristes. Je ne parle pas non plus de la cohorte des tièdes à la dévotion machinale. Je ne parle pas de la majorité des pratiquants. Je parle des vrais, des purs, des rares, ceux qui croient à l'humilité profonde, qui y croient suffisamment pour se départir totalement de leur confort et de leur petit moi, au nom et au service d'une force supérieure. Près de chez moi, encore, je tombe sur des soufis. Je ne connais rien d'essentiel à propos des soufis, ni de la religion musulmane, à vrai dire. Je sais tout juste que le grand poète Rumi était soufi, ainsi que l'extraordinaire chanteur pakistanais Nusrat Fateh Ali Khan. Les soufis sont à l'islam ce que les hassidiques sont au judaïsme, des mystiques, des incandescents, des pacifiques. Ils sont dans une discipline d'éveil bien plus que dans une religion. Au cours de mon expédition, qui dure encore des mois, je me retrouve plongée dans le cœur brûlant du Coran, du Qur'an, destiné à être récité à voix haute plutôt que lu, intraduisible, fait de poésie et de symboles, porteur de paix et d'amour bien plus que de vengeance et de sang, en compagnie de cheikhs et de mollahs qui en décortiquent la portée grandiose. Toutes les idées reçues au sujet des musulmans, tous les raccourcis faciles auxquels j'avais, comme tout le monde, succombé, s'en trouvent brûlés. Quand je remonte de ma plongée, je peux tranquillement revenir à mon point de départ, près de chez moi. Maintenant que je connais la profondeur de leur vision intérieure, je peux maintenant intégrer à mon histoire des soufis qui vivent à Montréal de la manière la plus ordinaire qui soit, en tant que restaurateur, par exemple, ou étudiant en immersion française, ou même présumé terroriste. Me reste à investir la troisième tradition religieuse, et non la moindre, puisque c'est celle de Jeanne Mance, et non la moins périlleuse, puisqu'elle est très proche de moi et de ma communauté immédiate. C'est dans cette tradition que j'ai été baptisée, en quelque sorte endoctrinée. C'est donc cette tradition que j'ai le plus rejetée quand est venu le temps des choix laïcs personnels, ou plutôt collectifs. Rien ne semble à première vue moins excitant que de m'aventurer sous les surplis et les soutanes d'ecclésiastiques dont l'autorité m'a toujours paru discutable. J'erre près de l'oratoire Saint-Joseph pour m'imprégner des restants de parfums métaphysiques que la canonisation du frère André a réveillés. Je rencontre bien sûr des prêtres de Sainte-Croix, dont l'un au moins
vieil anarchiste, artiste, me semble détenir une vie spirituelle bien vivante, mais je n'ai pas encore de coup de cœur. Le coup de cœur m'arrive comme un accident, comme l'une de ces grâces facétieuses avec lesquelles la vie aime nous surprendre. Lors d'un 5 à 7, on ne peut plus profane, un collègue scénariste me raconte les déboires de l'un de ses amis, dont l'appartement du plateau Mont-Royal se trouve hanté depuis un an. Hanté comme dans les mauvais films d'horreur, hanté par des présences horrifiques. « Mais tout va mieux pour lui, » conclut-il. « Tout va bien, finalement, depuis la visite d'un prêtre exorciste. » Un prêtre exorciste? Il y aurait des prêtres exorcistes à Montréal? Je veux un prêtre exorciste dans mon roman. Non seulement y a-t-il à Montréal un prêtre dont la fonction officielle conférée par l'évêché soit de pratiquer des exorcismes, c'est-à-dire de frayer avec le démon, autrement dit le mal, mais j'apprends qu'il est débordé de demandes. J'apprends que toutes les grandes villes, New York, Paris, Rome, ont des problèmes d'appartements hantés, peut-être Ottawa aussi, des problèmes d'infestation, dit-on dans le langage officiel, et qu'ils font appel aux prêtres exorcistes. Pour couronner le tout, j'apprends que notre prêtre exorciste montréalais est un sulpicien. Un sulpicien de cette même compagnie des prêtres de Saint-Sulpice fondée par Jean-Jacques Ollier, le visionnaire de Ville-Marie. Un sulpicien comme l'ont été les premiers prêtres de la colonie. On me le décrit comme un être érudit et moderne, plein d'humour et d'intégrité. Malgré mes demandes respectueuses et répétées, il refuse de me rencontrer. À la bonne heure, je l'inventerai. De la même façon, j'inventerai son pendant féminin, puisqu'il n'est pas possible d'oublier les femmes catholiques dans cet héritage de grandeur et d'abnégation laissé par Jeanne Mance. Bien entendu, les femmes ne s'occupent pas d'exorcisme et de tractation directe avec Dieu et diable. Les femmes s'occupent de choses beaucoup moins reluisantes et spectaculaires. Dans la réalité montréalaise, en ce début de 21e siècle, c'est le champ de la charité, si peu glamour, qui est laissé presque complètement aux femmes profondément croyantes, certaines encore officiellement religieuses, d'autres non, toutes regardées de haut par un Vatican misogyne et phallocrate, toutes plus humaines que l'institution officielle, ayant compris que l'essence du message de Christ est dans l'amour plutôt que dans la rigidité dogmatique. Des femmes devenues hospitalières malgré elles, qui ne comptent plus leurs heures et leurs sueurs, dont personne ne vante les mérites et qui n'en ont cure, qui se battent et se débattent, qui tiennent à bout de bras des organismes et des maisons dont dépend la survie des plus démunis de la société, des itinérants. Exactement comme Jeanne Mance. Les itinérants seraient donc, à ces hospitalières du 21e siècle, ce que les sauvages étaient à Jeanne Mance. Non seulement ma galerie de personnages vient-elle de s'enrichir d'un prêtre exorciste combattant un Satan moderne qui a pris le virage technologique, mais j'y ajoute donc une ex-nonne rebelle, rebelle aux idioties du Vatican, mais complètement dédiée aux autres. Et j'y ajoute malgré moi les itinérants, puisqu'ils viennent de faire éruption au milieu de mon expédition. Les itinérants de Montréal, si nombreux qu'on ne les remarque plus, jeunes et vieux, blancs et autochtones, descendants d'Iroquois autant que de montréalistes. Je ferai déjà avec les ex-itinérants, puisque je fréquente depuis plusieurs années l'itinéraire, cette revue pas comme les autres, cette formidable entreprise de réinsertion qui redonne de la dignité à ceux qui n'en avaient plus. Je connais donc, plus ou moins de l'extérieur, forcément, la vulnérabilité des poqués, des malpris, de ceux qui sont appelés par les gouffres. Soudain, les fréquenter de l'intérieur, avec cette intimité exigée par le statut de personnage,
me les fait découvrir autrement, me les fait voir comme des héros modernes qui ont tout sacrifié, qui ont lâché la société tiède et confortable pour entrer dans l'exaltante profondeur des gouffres. Dans leur dénuement total et leur humilité, ils sont indéniablement des visages de cet absolu dont je traque les signes contemporains, et malgré eux, des sentinelles qui nous rappellent sans cesse aux autres. Et aussitôt, et presque du même souffle, s'impose à moi une autre catégorie de travailler de l'intérieur, de chercheur d'absolu. Ne dit-on pas que Montréal, au pied carré, est l'un des territoires au monde les mieux pourvus en artistes de toutes sortes, peintres, danseurs, poètes, chanteurs, performeurs, inventeurs et créateurs multidisciplinaires? Pourquoi serait-ce là une simple coïncidence? Et qu'est-ce que l'art, sinon une quête d'infini, un souffle de transcendance, un appel à toucher la beauté coûte que coûte, dans ses formes les plus élevées, les plus clandestines? Quand ils sont dans leur pleine grandeur, les artistes ne peuvent être mus que par le même grand souffle qui a propulsé Jeanne Mance. J'entre ainsi, de plein pied, dans le grand Montréal ordinaire et moderne, le Montréal persuadé d'être laïque et agnostique. Et partout, je me mets à voir le souffle et l'appel de l'embrasement. Partout des allumés sans savoir pourquoi, partout des ferveurs plus grandes qu'humaines qui ignorent d'où leur vient le feu. Ceux qui traquent l'infini dans les croissances personnelles, ceux qui tentent de sauver le monde, ceux qui descendent dans la rue pour s'opposer au capitalisme sauvage, ceux qui défendent les baleines et les abeilles, ceux qui brandissent passionnément leurs croyances, non seulement dans les religions dogmatiques, mais dans la santé par le cru, dans l'immortalité par le sport, dans le bonheur par l'amour, par la célébrité, par le magasinage, par l'ingestion d'alcool, de sexe, de dope, de succès, par la souveraineté du pays, tous ceux-là aspirant à être aspirés par le haut. Même ceux qui se précipitent au Centre Bell pour être galvanisés par les buts des Canadiens, espérant la Coupe Stanley comme un Saint Graal. Même ceux qui s'assoient au casino devant des hôtels de pacotille jour après jour, dans l'artifice et le clinquant des néons, implorant le dieu du hasard de leur être favorable. Il semble de plus en plus évident que tous ceux-là sont dévorés par une soif que ne pourront jamais étancher les choses, les êtres, les situations, les substances sur lesquelles ils ont jeté leur dévolu. Il semble de plus en plus flagrant que leur soif est intérieure, raison pour laquelle ils sont toujours assoiffés. Troquant sans cesse un objet extérieur pour un autre, tout aussi impuissant à les désaltérer. Et il semble de plus en plus clair que cette soif est le legs ultime de Jeanne Mance. Voilà où j'en suis, après des mois et des années d'enquête ébouriffée. Mon bureau est comme un champ de bataille calciné, à force d'héberger trop de combustible. Étonnamment, un roman finit par surgir de la broussaille. Un roman se met lentement à s'écrire, presque de lui-même, je dirais, tant il semble savoir quoi faire de ces personnages contrastés, assoiffés, enflammés, savoir lesquels garder, lesquels jeter, comment les réduire et les compresser pour qu'un souffle unique se propage et surtout, puisque nous sommes dans un roman, pour que ce souffle se mue en histoire enlevée, devienne même une sorte de thriller spirituel. Le roman finit par finir de s'écrire. Et il finit par exister en dehors de moi, sous la forme d'un objet de 430 pages. Mais étonnamment, rien ne me semble pour autant terminé. La brèche qui s'est ouverte au début et qui m'a lancée dans ce long périple, cette brèche ne veut pas se refermer. À vrai dire, pendant tout le voyage et pendant le long processus d'abandon au roman, quelque chose est entrevu qui ne peut s'oublier. Ce qui a fait brûler Jeanne Mance n'est pas un feu personnel qui n'aurait été disponible qu'à une petite bande d'illuminés d'un siècle disparu. Ce qui a fait brûler Jeanne Mance est toujours ici, toujours partout, dissimulée sous des aspirations et des formes ordinaires et maladroites.
Le feu est toujours le feu. Il n'y a qu'une sorte de feu, universel et impersonnel. Même si l'intensité varie, même si la qualité des combustibles diffère. Voilà ce qui est entrevu dans une sorte de bon sens irréfutable. Il y a bel et bien quelque chose. Ce quelque chose a forcément à voir avec Dieu, mais ce quelque chose d'éblouissant et d'authentique surtout, ce quelque chose répugne à être recouvert par le mot « Dieu ». Le mot « Dieu », source de fanatisme et de séparation, récupéré par les orgueils et les pouvoirs, rapetissé par les religions, pollué par le mauvais usage. Mais comment nommer ce quelque chose alors, ce quelque chose qui a propulsé Jeanne Mance jusqu'à nous? Car il n'y a pas de différence entre ce qui a propulsé Jeanne Mance et ce qui propulse les êtres contemporains. Il n'y a pas de lumière autre que celle déjà infiltrée chez les hommes, même les plus sombres d'entre nous. Le désir tapis dans l'anodin de nos gestes est le même désir que celui des mystiques, cherchant à s'assouvir pour mieux disparaître. La source de toute joie, de tout contentement, est située dans le même territoire impersonnel d'où surgit la création sous toutes ses formes, d'où s'allume l'étincelle qui permet tout amour. Le silence sous les mots est le même que celui entre les pensées. Le silence est plus éloquent que les mots. Et c'est lui qui donne aux mots et aux musiques leur force quand ils en ont une. Un seul vide modèle sans cesse les formes précaires. Et c'est ce seul vide encore qui amoureusement les recueille quand elles ont fini de vivre. Il n'y a qu'un espace vivant, conscient. Il n'y a qu'un espace extrêmement vaste et incroyablement près. Celui qui est en nous, en arrière-plan tranquille de toutes nos apparentes agitations. Celui-là même dans lequel ces mots-ci sont prononcés, dans lequel ils sont entendus. Mais comment cela s'appelle-t-il? Merci. Je vais passer mon temps. Merci beaucoup. Voilà. Un peu d'eau. Un peu d'eau, absolument. C'était remarquable, n'est-ce pas? Oui. Merci beaucoup. Merci, merci. Merci, madame, pour ces propos captivants. J'aimerais maintenant inviter le public à poser des questions. Veuillez à utiliser les micros dans les allées. Et vous présenter avant de poser votre question, s'il vous plaît. C'est à vous. Je commence quand on nous attend. La vie d'écrivain a navigué contre-courant, probablement. Est-ce que c'est une vie de sacrifice comme la vie de Jeanne Mance? Eh bien, non. Mais attendons-nous. Il y a une part, de douleur qui va avec ce métier où on doit mettre en forme ce qui est absolument énergétique au début, c'est-à-dire prendre une idée de ce qui nous semble un chef-d'œuvre futur pour en faire une œuvre de mots. Donc, cette transformation-là demande une sorte de rigueur, de travail, de renoncement au plaisir pendant certains temps, c'est-à-dire qu'on ne peut pas partir les soirs, sortir, boire. Mais c'est quand même un sacrifice bien modeste par rapport à ses premiers
découvreurs et fondateurs qui ont affronté des obstacles plus grands. Quoique les obstacles intérieurs sont toujours les plus sauvages. Oui, madame. Do I need a microphone? C'est possible, oui. Elle a une bonne voix. Non. Okay. Oui. Use the mic. Please use the mic. It's right over here. Thank you. Okay. Could you bring it over? Merci beaucoup. Thank you Thank you. My name is Ariel. Hello. I found your talk illuminating, both from an earthly and from a heavenly standpoint. Since I'm above all concerned about our work for peace in the world, I want to refer to a trip that I and my late husband took in Quebec in the late 60s. And we were visiting the Île d'Orléans. Yes. Which I was fully aware was riddled with poverty. And we, driving along, we came across an area where there was a meeting of two or three different streams. And the title of the festival there was something like the Festival of the Virgins. The Festival of the Virgins. Of the religion. Vierge. Yes. And I recall that the priest, and I understood sufficient French to get his message, was telling the faithful that they all had to pray for the conversion of the Russians. Because if the Russians, that was then, of course, the Soviets, were not converted to Catholicism, there would be a world war. To me, that was devastating and horrifying. Yeah. I wish to mention it because it related so much to my own inner feelings. And I should appreciate, because I believe that we all have to work both spiritually and on earth for a world in one peace, P-E-A-C-E and P-I-E-C-E, that what we can do on earth is critical to the future. Merci beaucoup for your wonderful speech. Thank you very much. Vous pourrez répondre en français. Si oui. C'est pour cette raison aussi que je disais que la religion ne détient pas le monopole, Dieu merci, sur la vérité ou sur l'absolu, parce que je ne crois pas que les Russes détenaient et faisaient partie, étaient une manifestation du démon tel qu'on a voulu le propager à une certaine époque en Amérique du Nord. Je pense de toute façon que la paix commence avec soi-même. C'est la seule chose que je puis dire. Oui. Merci. Merci beaucoup. C'était vraiment intéressant. J'aime beaucoup la réponse à laquelle vous nous avez amené à la fin de votre présentation. J'ai une question. Je suis Isabelle Boisclair, professeure à l'Université de Sherbrooke en études littéraires. Quand vous avez évoqué le prêtre exorciste qui ne voulait pas vous rencontrer, vous avez dit qu'à cela ne tienne, je vais l'inventer. Je veux bien, mais dans quelle mesure vous faites-vous confiance pour justement inventer quelque chose qui, j'en suis à peu près certaine, est très loin de vous-même? Mais tout le travail de l'écriture d'un romancier repose exactement sur ça. Si je ne pouvais pas inventer sans cesse, même les gens que je crois connaître, je ne ferais pas de roman. Je ne ferais pas de roman digne de ce nom. Parce que écrire, c'est inventer. C'est inventer, c'est-à-dire s'inspirer fortement, baigner dans une réalité différente, nouvelle, étrangère, parfois hostile. Et fatalement, s'en imprégner et accepter qu'elle devienne nôtre, totalement la digérer suffisamment pour qu'elle sorte sous une forme différente. Il n'existe pas vraiment de sujet ou de personnage
que l'on puisse traduire littéralement, prendre à l'extérieur et en faire des personnages. Tout personnage est une invention. Comme j'ai inventé Jeanne Mance, même si j'ai lu tout ce qui existait autour de Jeanne Mance, j'ai inventé une scène, entre autres, où elle... Le dernier repas avec Maisonneuve, où ils parlent de leurs 20 dernières années, mais j'ai jamais eu accès à ce moment-là. Mais dans l'invention réside la vérité lorsque l'intention repose sur... lorsqu'on s'imbibe de tout ce qui existait, de tous les éléments de véritable, authentique de cette réalité-là. Après ça, les formes peuvent changer. Je peux les faire parler d'une façon ou de l'autre, mais si la base repose sur cette essence du personnage, c'est pour ça que le prêtre sulpicien, j'ai vraiment senti ce qu'il était, et je me suis dit, bon, maintenant, je peux vraiment inventer ce personnage-là, en faire quelqu'un de lumineux, d'espiègle, d'humoristique, et en même temps, d'intègre, de profond et de croyant et tout ça. C'est la grandeur d'écrire de la fiction. Si on ne pouvait pas inventer ce qu'on pense connaître, il n'y aura pas d'intérêt, à vrai dire. Nous avons un moment pour une dernière question. Merci. Mais je vais être de l'autre côté parce qu'il y a des livres. Il y a d'ailleurs des livres à vendre. Je vais être de l'autre côté. Alors, s'il y a des questions brûlantes que vous avez encore, vous pouvez venir me les poser en personne de l'autre côté bien sûr. Après. Voilà. Merci, Élise Lepage. Le feu revient encore, des questions brûlantes. J'ai été très marquée par la présence de l'hétérogène, soit dans vos descriptions, vos évocations de Montréal, ou tous les matériaux que vous avez pu rassembler sur des sujets justement très hétérogènes. Est-ce que vous vous attendiez, ou est-ce que c'est quelque chose à quoi vous vous confrontez systématiquement lorsque vous rassemblez des matériaux pour votre travail, de partir de fils complètement différents, d'avoir à creuser dans des directions totalement étrangère. Puis après, comment est-ce que vous faites concrètement pour faire émerger une cohérence? Ou est-ce qu'il y a cohérence finalement à la fin? Ou est-ce que vous, au contraire, vous voulez maintenir cet hétérogène? Ah là là. Vous savez, tout le mystère et la magie de l'écriture résident dans cette question-là. Parce que je ne sais jamais comment, du chaos, je vais finir par créer une sorte de forme unique. Et c'était à la fois la pire dans toutes mes entreprises romanesques. Cette fois-ci, c'était la pire dans le sens où la plus dispersée, faisant appel aux expériences les plus diverses. Mais en même temps, il faut faire confiance lorsqu'on écrit. C'est pour ça que le temps est important, c'est pour ça que je prends tellement d'années à écrire. À un moment donné, les choses organiquement veulent se mettre en place. Il y a vraiment quelque chose qui ne dépend pas de ma volonté en tant qu'écrivain, ma volonté rationnelle. Il y a vraiment... Ce qu'on appelle l'intuition, à vrai dire, ce qu'on appelle l'intuition repose exactement dans cet espace dont je parlais à la fin, qui est un espace d'une richesse inouïe, qui est simplement... Il faut simplement syntoniser cette fréquence-là pour que les réponses arrivent, les réponses finissent par arriver. Donc, du chaos finit par surgir une sorte d'unité, qui n'est pas une unité aussi linéaire que celle de certains romans. Je veux dire, c'est pour ça qu'on peut dire « est-ce un roman? Est-ce un livre de nouvelles? » Moi, je considère que c'est un roman parce que... Moi, je pense que la vie est faite de morceaux disparates et qu'on fait semblant. On fait semblant que c'est un tout, mais c'est plein de morceaux, tu sais. Je veux dire, notre vie est faite de morceaux. Merci bien, Madame Proulx, de vous être rejoint à nous cet après-midi. Évidemment, l'affût brûle, oui. Veuillez accepter ce présent de la part de la Fédération en remerciement pour votre participation. Merci. Une eau de vie. Une eau de vie, exactement. Merci beaucoup. Merci.